partons au ski. Ouais! Mais avant, faisons la liste du matériel. Une écharpe. Un bonnet. Marie-Charles. Des gants. Charlotte, ma cousine a déjà eu ça, son tibia cassé. Oh, dramatise pas trop, Lisa. On va téléphoner aux urgences et on va voir ce qu'ils peuvent faire. Allez, aidez-moi à la porter. Marie-Charlotte ? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Docteur Awa. Qu'est-ce que tu as fait, en fait ? Je jouais à touche-touche à l'école avec mes amis, puis je suis tombée sur la jambe gauche et maintenant j'ai très très mal. Tu as mal, là ? Oui. Et là ? Oui. On va devoir lui faire une radio, madame. Docteur Lepage va arriver avec les résultats de la radio, madame. D'accord. Bonjour, docteur Lepage. Bonjour. Marie-Charlotte, je suis désolée, mais tu as une fracture au tibia. Donc, il faudra plâtrer. Pendant combien de temps ? Pendant 6 semaines minimum. Oh, mais non, mais c'est pas possible. Moi, je dois aller au ski. En plus, c'est prévu depuis 7 ans. Vous pouvez pas me mettre une bande ou autre chose ? Désolée, mais c'est pas possible. Oh mais non, mais maman, c'est pas possible. C'est pas grave, on ira une autre fois. Le jour du départ est enfin arrivé. Monsieur, c'est quand qu'il arrive le car? Ça fait un quart d'heure qu'on attend. Vous êtes sûr qu'il va venir? Je vais aller voir un peu plus bas s'il est pas garé au fond, d'accord? D'accord. Ah! Le car est trop gros pour passer, donc il va falloir descendre. C'est parti! Allez, voilà, Charlotte. Salut! Après une bonne journée de ski, les enfants profitent d'une veillée jeune. Mais oui, c'est ça! On pourrait faire une surprise à Marie-Charlotte, elle qui avait tellement envie de venir au ski avec nous. Oui, c'est vrai, et on demandera à quelqu'un de la classe pour prêter des skis. Elle qui mourrait d'envie de monter sur des skis. Mais c'est une super idée, ça! Et moi, je veux bien prêter mes skis. Monsieur, vous êtes d'accord qu'on fasse une surprise à Marie-Charlotte? Oui, bien sûr, les enfants, je suis fière de vous. Les enfants sont de retour de leur voyage dans les Vosges. Salut les amis, ça va? Vous m'avez tellement manqué! Et cette semaine alors? La semaine était hyper chouette! Et en plus c'est génial, t'as plus ton plâtre! Oui, j'ai plus mon plâtre! Et il commençait à m'ennuyer. En plus, on a une surprise pour toi. Tu verras ça lundi. Une surprise? Oh, vivement lundi! D'abord, moi, je chausse très bon équipement parce que c'est très important pour le ski, hein? Merci. Alors je vais t'apprendre à chausser les skis. D'accord. Comme ça, oui. Et tu pousses bien avec ton talon. Voilà, la même chose avec l'autre. Pousse bien. Voilà. Alors, je vais t'apprendre à faire le chasse-neige. C'est quoi ça? Eh bien, c'est pour déballer les pistes, mais lentement. Tu mets tes skis de travers. Ok. Et tu plies tes jambes. Et moi, comment je fais pour tourner? Regarde, c'est très facile. Si tu veux tourner à gauche, tu t'appuies sur ta jambe droite. Et si tu tournes à droite, tu t'appuies sur ta jambe gauche. Ne te penche surtout pas, sinon tu tourneras pas. D'accord. Moi, j'aime bien tout ça, mais pour freiner, moi, je fais comment? Tu vas appuyer très très fort sur une de tes deux jambes pour arriver perpendiculairement à la pente. Et c'est tout? Et monsieur, je peux lui expliquer comment utiliser le tire-fesse? Bien sûr, Luma. Tu te mets devant le tire-fesse. D'accord. Tu te poses dessus, mais tu t'assois pas dessus, hein, parce que sinon tu te pètes la figure. Ok. Tes skis bien parallèles. Tu regardes bien devant toi. Et puis tu te laisses aller par le tire-fesse. Oh merci les amis, c'était vraiment chouette et s'il y avait à refaire, j'irais bien. L'année prochaine, on y retourne. Ouais, vivement l'année prochaine. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassesatellite.be.